Salut tout le monde, je suis Mika Rob et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Order 1886. Dans le dernier épisode, on était toujours dans l'optique de se venger, enfin Galahad voulait se venger et trouver des réponses surtout, après avoir sauvé Lord Hastings. On a, comment dire, rencontré le bras droit de la chef des rebelles. Et après, la chef de rebelle est venue juste après. Et elle nous a montré l'espèce de fiole que les chevaliers ont autour de leur cou. Quand ils sont blessés, ils en boivent. Et ça les guérit. Et elle en avait un aussi. Donc, soit elle en a piqué un à un chevalier en le tuant. Ou alors, elle est liée à l'un des chevaliers. Enfin, elle est liée. Elle est en lien avec un chevalier. C'est-à-dire que un chevalier dans l'ordre l'aide. Donc moi, dans une théorie, c'est que le Sir Perceval qui est mort, c'est lui qui l'aidait. Enfin, en tout cas, qui lui donnait des petites choses. Ou alors, quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est qui? Ça, on le saura plus tard. Et ensuite, Galahad est parti avec la chef de rebelle parce que il voulait des réponses et elle seule, en tout cas, pouvait lui apporter ces réponses-là. Mais il fallait qu'on vienne ici, dans la compagnie India. Donc, on est là. On s'est battu. Là, normalement, derrière cette porte, il y a des hommes de la compagnie. Et là, on est dans un espèce de hangar ou un truc du genre. Donc, on y va. Des choses à regarder, non? Moi, je regarde toujours. Ah, donc elle attend ici, donc il y a quelque chose. On va partir par là-bas. Donc, attends. La United India Company s'étend sur le nouveau continent. Il n'y a pas de traduction là. Moi, je comprends pas l'anglais, donc. Bon, il y a des mots qui sont faciles à traduire. Qu'on voit assez souvent. Donc là non, je pouvais pas traduire. Allez. Donc attends. Est-ce qu'on peut parler avant ça? Choisis quoi, ça va monter. Attends. Essayons le pont roulant. Allez. Il fallait que je reste appuyé. Nous nous rapprochons de la plateforme. Ça devrait être bon. D'accord. Je m'en charge. Vous n'avez qu'à monter. Ah ouais, donc j'aurais dû faire ça avant. Mais bon. Apparemment, ça, genre, si j'avais fait la porte avant, on n'aurait pas pu l'ouvrir. Donc, les chaînes étaient la deuxième option. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, j'y vais. Je parle aux gens, là. Ah, mais... pas possible, ça. Je peux atteindre le pont roulant d'ici. Eh, c'est parti, vas-y. Je m'occupe de la chaîne. Oui, t'es la seule en bas, donc... c'est sûr, hein, je peux pas le faire moi-même. Bon, il est moins classe avec son uniforme, mais bon, voilà. Pouvez-vous aller de l'autre côté? Je vais me débrouiller. Allez, vas-y. Allez, saute. Oh, c'est bon. Bon, on est go. Donc là, on va ouvrir l'extérieur. Il n'y a pas quelque chose à prendre là? Ah non, ça brillait juste. Je pensais qu'il y avait quelque chose à prendre. Là, non. Ça hors vidéo parce que c'est des trucs à écouter, des trucs comment dire, comme des cassettes audio, mais là c'est des rouleaux audio. Fouillez la porte. Oui, je fouille. Alors ça, on n'aurait pas pu ouvrir la porte vu que c'était fermé de l'extérieur. Pas besoin de l'ouvrir entièrement, hein. Un mètre ça aurait suffi, hein.
Chevalier, par ici. Chut, j'ai plus un chevalier, j'ai pas mon uniforme. Bon. On y va à trois. Deux. Ah, t'as pas dit trois. Quoi? Ah merde, désolé, mais je savais pas où appuyer. On y va à trois. Un, deux. Attention. Tu l'as eu? Alors. Il est où? Ah, je l'ai pas tué. Vas-y, je te... Merde, je peux pas bouger. Restez à couvert. Tiens, je peux charger, voilà. Il est là-bas. De neutraliser. Oh, merde. Voilà, merci. Merde quoi ? Attends, c'est vous, hein ? C'est bon. Pour le moment. Ouais. Je t'ai pas dit de te cacher. Arrête de te cacher. Par contre, là, c'est un petit défaut, je trouve, c'est qu'il se cache automatiquement. Et ça, c'est pas bon. Faut que ce soit soi-même. Parce que là, ça, c'est un peu chiant. Là-bas. Attends. Oui. Attends. On va passer par là. Je pensais que je pouvais passer, mais qu'après. Oh, il est passé où le corps? Il est parti. Méfie-toi. Attends. Prendre ça. J'arrive. Je peux pas sortir par là? Non. Bon bah je suis obligé de repasser là-bas. Non. Je suis obligé de revenir par ici. En fait j'aurais pu me mettre là-haut pour leur tirer dessus. Mais bon. Attends. Je regarde là. Je sais. J'attends juste. Enfin, j'attends. J'observe. J'explore. Regarde. Je suis passé à côté. Il y avait rien. Il y avait rien. J'ai pas vu. J'ai pas lu. Est-ce qu'on peut relire? Un inspecteur abattu au cours d'une fusillade à Whitechapel. Whitechapel. D'accord. Allez, je vais t'aider. Ou j'y vais. D'accord, je pensais qu'il fallait pousser quelque chose. Rani, que fait-il ici? Davy, tout va bien. Parle sans crainte. Davy, vas-y. Allez! C'est comme sur le dirigeable, Rani. La cargaison est pour les Amériques et les Indes. Combien? Plus du double des précédentes. Il rattrape le temps perdu. Cette cargaison ne doit pas atteindre les côtes du continent. Et puis, l'alerte maximale est lancée. Ils ont dit son nom. Ils préparent une réunion. Ce n'est pas encore perdu. Quel nom a été mentionné? L'un de vos chers lords. S'il assiste à une réunion, vous le verrez par vous-même. D'accord. Moi je pense tout de suite à Lord Hastings. Ouais. C'est le seul que je connais. Donc, Ça ne prouve rien. Lord Hastings est chambellan et impair. Et il siège au conseil. Oui, il connaît donc les secrets. C'est pratique pour lui. Vous voyez.
déployer des conspirations là où il n'y en a pas. Regardez la cargaison, nous verrons si j'affabule. Annie, qu'est-ce que je peux passer? D'accord, donc scientifique, moi je pense tout de suite à Nicolas. Parce que en Lord, Lord Hastings, scientifique, Nicolas. C'est un scientifique et un créateur, donc il n'y a que lui que je vois, hein, qu'on a entendu parler. Donc, et qu'on ait vu, surtout. La reine de Jansey. Je vous surprends encore. La reine guerrière qui a pris les armes contre notre armée en Inde. D'après nos généraux, vous avez péri à Gwalior. J'ai toujours profité du fait qu'on nous sous-estime. Avant de vous suivre, je vais regarder par là. Il n'y a rien, mais il y a le bureau d'ouvert, donc il y a forcément quelque chose à regarder. Ouais. Mon dernier voyage en Inde orientale remonte à longtemps. C'est 1882. Donc 4 ans. Donc longtemps, longtemps. Ouais, bof. Hein. Bon, ça fait un petit moment, ouais, mais bon, pas longtemps non plus. 4 ans, c'est pas si loin. Hein. Quand tu regardes comme ça, ouais, ça fait un peu loin, mais pas énorme. 10 ans, ouais, je veux bien. Chevalier, venez oui. Voir cela. Oui, bah attends. Je regarde ça avant. Oh. Le dernier navire de la compagnie. Un bateau de une maquette. Il est très bien fait. Elle est posée normalement, parce que là, t'as dû faire une petite entaille. Ok, bon bah c'était le truc à voir. Là-bas, il y a quoi? Ah, rien. Ici. Non, on vient de par là, donc non. Ah, désolé. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Là. La cargaison. Montre à ton son gaga. Il faut absolument éviter qu'elle ne quitte le pays. Vite. Allez. Rejoindre le quai. Oui, je vous suis. Sans, je peux pas aller ailleurs, hein. Je suis obligé de vous suivre. Ouais, bah avant d'aller là-bas. Allez. Tac. Les gardes sont beaucoup trop nombreux. On a déjà dû faire face à bien. Ah oui, c'est vrai, ça. Je crois qu'il faudrait mieux appeler des renforts. Pas avant d'avoir trouvé la carte. Et quand on l'aura trouvé, quels sont les ordres? Ah. Ils feront le nécessaire. Mais pour le moment. Voilà. D'accord, Ray. Toujours la prudence. Eh oui, c'est bien connu. Hop, hors vidéo, ça. Rien. Allez, cours. Bon. Et ici. Qu'est-ce qu'il y a à regarder là-dedans? Rien. Franchement, pourquoi faire des pièces où on peut rien regarder? Ok, c'est bien fait, mais bon. Faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Un objet. Une photo, quoi que c'est. Autre chose, quoi. Je sais pas. Allez, c'est parti. Davy, va surveiller les voies de secours. Rani, je vous accompagne. Je dois vous protéger. Davy, c'est un ordre. T'inquiète, je la protégerai. Si elle me ment pas, bien sûr. Alors, ici. Rien. Et si non plus. Est-ce que je peux te parler? Qu'est-ce que vous attendez? Allez la retrouver. Ok, j'y vais. Je vais voir s'il y avait quelque chose, mais rien. Par ici.
peut traverser le navire. Hop, pardon. Bah, c'est pas non plus un raw que j'ai fait, hein, mais bon. Vous entendez ma voix suave? Non, pas du tout. Allez, bon. Ah, c'est chiant que je peux pas courir. Il n'y a rien par là, donc on fait demi-tour. Et on va par là. C'est parti, mon kiki. Restez sur vos gardes pendant que je fais monter la plateforme avec la manivelle. Allez. Je peux pas regarder ailleurs. Bon, il est pas bien nettoyé. Ah bon. Je pensais qu'on irait jusqu'en haut. Aidez-moi. Je vais jeter un coup d'œil. Un petit coup d'œil. Hein. Il y a beaucoup de gardes. Nous devons faire vite. On va où ? Ici ? Ok. On va où ? Là ? Ah oui, tu sens que c'est... Oula, 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 oula. Non, non. Ah oui, bon, d'accord. Je pensais que... Aidez-moi à monter. Que la planche serait toujours là, pas le bois. Mais en fait, non, il est tombé. On n'a même pas entendu d'ailleurs. Ça fait un crack et c'est tout. Vite. T'as de la force, hein, madame, mademoiselle. Qu'est-ce que. Des intrus ! Alertez la garde de Hastings ! Les intrus sont ici ! Mettez-leur d'Hastings en lieu sûr ! Mince. Il fallait qu'un garde vienne par là, quoi. Merci. Alors je vise comme une brêle, là. Oh, c'est dingue, c'est quoi, ça? Il faut que je retarde. Officier, il est neutralisé. Homme de la compagnie à terre. J'étais pas sûr que c'était un soldat. Voilà. C'est bon. C'est dingue, ça. Ah, je m'occupe de... C'est bon. Oups. M'a eu. Prends ça. Ça. Ah, là-bas. Non, attends. Voilà, c'est bon. Je recharge. Ah merde, d'accord. Donc lui il est... Si, personne sur le pont. C'est bon. Faut avancer. Entendu. On devrait atteindre l'autre côté en passant par en bas. D'accord, par où? Je te suis. Avec ce monde charge, on passe à son... Ah, merde. Désolé. Et où ça, où ça, où ça, où ça, où ça, où ça? Parce que là je t'ai pas vu descendre. Ah là? Non? Ouais, mais je t'ai pas vu descendre. T'es passé où? Là? Non? Je peux plus bouger. Couvre.
Garde à terre. C'est bon. Ok. Ah, là. Je me charge de cette manivelle. Occupez-vous. Putain, j'ai même pas vu, moi, que t'étais passé par là. J'aime pas regarder, en plus. Putain, j'ai pas regardé partout. Allez. C'est par là, non? Ah non, par là-bas, ok. Oula! C'est quoi ça? Bon, on va regarder ça. D'accord. Ok, bon, on te rejoint. Merci. Allons-y. Il monte à bord du bateau. Soyez prête. On va devoir forcer le passage. Ok. C'est par là. Voilà. Bon, ok. Pas le choix. On va prendre l'autre arme. C'est qui tire là? Ça me touche de côté, donc c'est impossible. Ah, peut-être là. Ah, putain. On va passer par là, il n'y a pas trop le choix là, donc... Allez. Et où? Bon, allez, on descend. D'autres gardes descendent de la rampe. Où ça? Là-bas. Tu disais? Cible à terre. Ok. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu me fais? Pas besoin de faire Tarzan là. Homme de la compagnie à terre. C'est bon. Non, y a rien à récupérer, là non plus, et là non plus. C'est parti. Rien à regarder là, et rien non plus là.
Jolie collection d'armes. Cela n'a rien de surprenant. La compagnie exporte des munitions partout. Alors, on va prendre ça. Je pense que l'autre on en a plus besoin. Et on va prendre ça. On va changer un peu. Ça ne vous étonne pas du tout que des gardes devant surveiller des caisses soient armés jusqu'aux dents? Épargnez-moi vos conjectures. Trouvons ce pourquoi je suis ici. D'accord? Moi, je vois pas trop ça bizarre. Hein. Après, ils peuvent cacher des trucs, hein, c'est sûr. Et là, je suis sûr qu'ils cachent quelque chose, hein, parce que sinon, on serait pas là. Ah, un aigle. Doc. Alors, on va aller là-haut, voir ce qu'il y a. Et quelque chose. Avec des armes que l'ordre ont aussi. Et puis il n'y a rien. Je vois pas pourquoi il nous montre l'arrière, mais bon. Rien d'autre. Allez, on est go. On est go, on est go, on est go. Tu regardes la table, elle est belle? Hein? Ok. On est là. À mon signal, il faudra me couvrir. Bah, y'a rien. Y'a personne. Plus personne. Cela n'annonce rien de bon. Ils sont partis se regrouper. Nous n'aurons peut-être que quelques minutes avant qu'ils ne reviennent. Bon, maintenant l'épave. À votre guise. Bah oui, il est là pour ça. Hein. Ça c'est quoi? Je peux pas, je suis à fond. Alors, rien d'autre. Ici, il n'y a rien d'autre. Donc, on y va. Allez! Et maintenant? Inspectez tout. Okay. Cherchez une marque distinctive sur les caisses. Ok, bon, les caisses que nous cherchons portent la signe de la compagnie sur les côtés. D'accord. Ça sera pour zoomer sur le signe. Ok. Cherchez l'insigne. Il doit être rouge. D'accord. Il n'y a rien là. Ah, il y a quelque chose sur la table. Une ampoule, c'est ça, non? Ok, d'accord. Bon, bah. Il n'y a rien. Hein. Cherchez l'insigne. Il doit être rouge. Oui, oui, c'est ce qu'on fait. Là. Ah, d'accord, il fallait que je zoome, c'est vrai. J'en ai trouvé. Là! C'est sûrement ce que nous cherchons. Aidez-moi à le descendre. Pied de biche. S'il vous plaît. J'en mets. Regardez bien. C'est le mal que nous combattons tous les deux. Des vampires. D'accord. Comment? Les hybrides renforcent leur pouvoir. Grâce à la protection des licans sur votre territoire, Hastings et ses amis vampires cherchent à infecter Lord tout Hastings le... ne peut pas être l'un d'entre eux. Nombreux sont ceux à Whitechapel qui ont aperçu votre noble lord au cœur de la nuit et rend à la recherche de pauvres femmes. Les victimes de l'éventreur. Vous les appelez ainsi. Et comment croyez-vous qu'ils soient toujours parvenus à passer au travers des mailles du filet du commissaire Doyle? Whitechapel est maintenant devenu leur terrain de chasse. D'accord. Ok, bon. On a Dracula. Bon, combien d'autres y en a-t-il? Hop. Un nombre incalculable.
Assez pour infecter une ville. Tu la crois maintenant? C'est quoi ce bruit? Nom de Dieu. D'accord, bon. Ils sont plus que dans la pièce précédente. Il y en a d'autres là. On va faire quoi? On va tous brûler? Nous devons détruire cette cargaison. Par ici, j'ai trouvé du carburant. Bien. Et il n'y en a pas un autre pour aider? Ah si. Bon. Il y a l'autre ici, je le fais ou pas? Alors quoi? Je mets le feu à celle-ci. Chargez-vous d'une autre. D'accord. Ça va prendre le reste. Ouais, ça se voit, on voit là que ça prend. Celle-là est prête. Ok. Terminé. Mais longtemps quand même pour allumer. Merci. Du feu. Pour allumer ça. Allez, c'est parti. Alors. Venez m'aider à monter. D'accord. C'était bloqué là. Je vais trouver de quoi vous faire monter. Quoi, t'as pas fait comme tout à l'heure? Il y a une échelle ici. Mais 150 ans pour la faire descendre. Vas-y. J'ai trouvé un autre bidon d'essence. Vas-y, pas besoin de le dire. Ah, incroyable ça. Ils ont besoin d'attendre que je dise quoi que ce soit. En tout cas, de me le dire. Il y en a un autre là-bas, fais-le de suite. Attends pas 150 ans. Très bien. Mettez le feu à celle-ci aussi. Voilà. Passons aux suivantes. Entendu. Allez, chargez-vous du reste des caisses. M'occupe d'eux. Allez, c'est parti. Allez. Je suis prêt pour cible. Un peu là parce que je me suis fait avoir là. Là. Allez. Ah, c'est désolé, j'ai cru qu'il était pas mort. Ah. Désolé. Ah, c'est chiant ça. Et bon. Ok. T'es où? C'est bon? On prend là? On fait quoi? Il y a d'autres caisses là. Alors descend. Oh. Super la musique.
Allez, viens là. Allez. Voilà, merci. Garde à terre. Ok. Attends. Garde neutralisé. Attends. Allez. Attends. C'est bon. Le même truc, c'est que lui là. Voilà. C'est bon. Homme de la compagnie à terre. C'est bon. Bon, elle va se faire toucher. Non ? C'était les dernières. C'est fermé. Bah, tu fonces dessus, je sais pas. Ah, un vilain toutou. Un lican. À bout portant en pleine tête, il doit être mort, hein, normalement. Ah merde, putain, j'ai même pas vu. Attends. Allez, viens. Allez, viens là. Allez, viens là, toutou. Viens là. Et de deux. Il y a une porte par ici. J'arrive. Rani et Wadbou. Davy ? Je suis heureuse de t'entendre. Êtes-vous blessée ? Non, pas encore. Mais fais vite, force la porte. J'arrive, Rani. Il y en a d'autres qui arrivent. Oups. Allez, allez. Voilà. Voilà. Je ne pensais pas te revoir, ma belle. Comment as-tu fait ? Le temps presse.
Les forces de la compagnie sont au chantier naval. Prenons la fuite. On a pas trop le choix en même temps. Chevalier, nous n'avons plus le temps. Quittons cet endroit. Hop, pardon. Cette horreur doit être portée au conseil. Faites bien attention. La compagnie n'aurait pas réussi sans soutien influent au gouvernement. Vous avez pu voir sur les quais que même vos rangs ont été infiltrés. Si c'était bien le cas, alors j'aurais eu des... Cette guerre nous a opposés aux hybrides. Ils utilisent la United India Company pour semer la terreur dans le monde entier. Il faut nous aider. Je suis un chevalier. Je me dois de protéger le royaume, pas de provoquer sa chute. Ne vous fiez à personne. Bonne chance, chevalier. J'aurais aimé vous rencontrer en d'autres circonstances. Où dois-je vous trouver ? Oh, c'est toi, c'est elle qui te trouvera. Dites mon nom à Whitechapel et je viendrai. Ouais, donc c'est elle qui te trouvera, quoi. Gray ! Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Pas maintenant ! Ne me tourne pas le dos ! Je t'ai vu à Whitechapel ! Quoi ? Tu m'as suivi ? Je m'inquiétais pour toi. T'as couru comme un dératé après la bataille du pont. Tu ne sais rien. Rien du tout. Est-ce une opération d'infiltration clandestine ? C'est ça que tu m'y jettes ? Ce n'est pas le moment. Greg, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis la mort de Mallory, je te regarde et je... Et quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu vois ? Je sais pas. Un étranger. Quelqu'un à qui j'ai peine à faire confiance. Quoi que ce soit, je t'en prie, dis-moi. Pas cette fois, Izzy. Tu devrais rester loin de moi. Pour ton bien. Ouais, vaut mieux, puisque là, il est pas en état de parler tranquillement. Vous ! Trouvez la paillette et dites-lui d'aller à la bibliothèque. Est ancrée au cœur du conseil. Ces allégations sont effroyables. Je refuse de les croire. Si le grand chancelier m'y autorise, je peux... très déçu. Je vous interdis d'évoquer ces soupçons ridicules. Je connais ton père depuis des années. Jamais je ne l'ai vu si obstiné. Ces allégations visent le cœur même de l'Empire. Je ne pourrais supporter une épreuve aussi dure que la perte de Mallory. Il faut vraiment qu'il se rende à Blackwall Yard. Quel est l'intérêt ? La destruction est totale. Un incendie criminel, d'après le commissaire Doyle. Apparemment, un groupe de rebelles aurait été aperçu sur les quais. Tout semblait... Quel est ce mot qu'affectionne tant le commissaire ? Ah oui, élémentaire. Et toi, qu'est-ce que tu crois ? Je n'ai aucun avis. À la limite, je pourrais convaincre le grand chancelier de porter l'affaire devant le conseil. Si nous avons vraiment un traître dans nos rangs, les conspirateurs finiront par l'apprendre. Que suggères-tu ? Profitons de la nuit pour nous introduire dans la United India House. S'il y a des informations révélant la vérité sur les derniers événements, c'est là qu'elles se trouveront. Pénétrer dans le quartier général de la compagnie. Bah oui, quoi. Mallory et toi êtes vraiment... Comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes. J'apprécierai ton aide, Alastair. Je doute qu'il soit convenable que le chevalier commandant soit vu. Tu connais très bien les lieux. Et j'aurai besoin que tu me guides au cœur de la United India House. Si nous trouvons la preuve d'une conspiration, ton témoignage pourra convaincre ton père. Très bien. Si nous comptons infiltrer le complexe, nous ne pourrons le faire seuls. Si ce que tu dis est vrai, nous ne pouvons compter sur grand monde. Ma sœur, Lafayette... Je ne les implique pas sans avoir plus de preuves. Qui d'autre ? Je sais exactement qui peut nous aider. Ok, mais tu vas pas être content. Il va pas être content quand il va savoir qui c'est. La United India House est proche.
pas passer par la porte principale? N'aie crainte. Nous avons préparé cette incursion. Même si accéder à ce complexe s'est révélé plus difficile que prévu. Chapitre 11. Frère d'armes. Voilà. Dans le lien. Une entrée derrière le complexe. Si on veut, oui. Bon, en tout cas, c'est d'ici que je vous laisse. J'espère que l'épisode vous aura plu. Likez bien fort la vidéo si c'est le cas. Partagez avec vos amis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, dans ce cas-là, je vous retrouve dans un nouvel épisode. Ciao, ciao! I'm waking up to ash and dust.